Oh tout le monde, c'est parti pour la suite de Final Fantasy VII Rebirth. On continue l'aventure, on est avec Aerys, Yuffie et Red 13. Chapitre 13. Donc on s'approche doucement de la fin. Ok. Temple des anciens à la rivière de la vie. Aerys est désormais capable de contrôler la configuration du temple en accumulant l'énergie de la rivière de la vie et en la transférant dans les vaisseaux de la vie. En fonction de la quantité qu'elle a accumulée, Aerys peut aussi bénéficier d'une bénédiction, effet bénéfique, sur plusieurs degrés au début des combats. Ok. Le vaisseau de la vie. Donc voyons voir. Lorsqu'Aerys a accumulé une grande quantité d'énergie de la rivière de la vie, orientez-vous vers un vaisseau de la vie avec R, puis manipulez votre bâton avec L pour y transférer cette énergie. Après avoir reçu suffisamment d'énergie, le vaisseau de la vie se stabilise et le temple retrouve son aspect original. Ok, cool. Chemin bloqué. Ok, il y a sûrement des ennemis dans les parages. Absorbez l'énergie de la rivière de la vie, maintenez triangle dans un endroit parcouru par la rivière de la vie pour en absorber l'énergie. Il est possible de tirer de l'énergie planétaire des cristaux et des créatures qui se trouvent près des vaisseaux de la vie. Ok. Un mec balèze ici. Allez, c'est parti. Effet bénéfique de l'énergie planétaire. Au fur et à mesure qu'Aerys accumule de l'énergie planétaire, elle obtient davantage d'effets bénéfiques au début des combats. Rang 1 fois, rang 2 fois récupération, rang 3 fois récupération mur. Ah
Aïe. Ok, on vient de prier. Ok, il y a de l'énergie un peu partout, quoi. Morceau de pierre. On va voir ça. Nickel ça. C'est pas mal ça. Bon, on va voir ça. Un super éther. Ok, comment on fait pour... Moi, je veux ce petit coffre là-bas. Ok, je sais pas comment on fait. Bon, c'est pas un coffre méga important. Donc on trace.
Tiens, je vais vérifier un truc quand même. Est-ce que je peux le faire changer le truc? Non. Vous pensez que les autres vont réussir à s'en sortir? Si Cloud garde la tête sur les épaules. Tifa devrait l'engueuler un peu plus souvent. Lui mettre un bon coup de pied aux fesses. On va quand même vérifier un truc, on sait jamais. Ok, y'a rien. Let's go! Pas de méchant vu. Un petit coffre violet. Nouvelle arme. Gambantine. Ranime les autres équipiers, restaure leur PV et soigne leur altération d'état, mais rend Aerys inconsciente. Nous sommes 2 barres ATB. Eh, pas mal. Déjà où stylé ça? Dégâts de glace, attaque normale, gain ATB+. Frôle la mort, ouais. Attaque magique plus 20. Alors, résurrection, prière, PV augmenté, magie augmentée, vent. Je pourrais mettre quelque chose. Incantation rapide. Et voilà, on l'a trouvé. Poignée de Duramen sacré. Ok, il y a du monstre ici en fait. Elle est pas mal. Avec un petit dédoublement. Et vraiment pas mal, Luffy. Par contre, j'ai pris cher. Ah, il y a un petit truc que j'ai oublié. Allez, go, 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 go! Sumer! Bah, pour l'instant, il n'a pas besoin, je crois. On va vérifier en bas. Pas aller en bas.
Bon, comme ça, au moins, on sait. Merde. J'avoue, c'est pas mal ce petit truc. Ouais, à me vider. J'ai bien fumé. Ok. Tiens, on va mettre celui-là d'ailleurs. On va voir si on peut le faire celui-là. Ok, si merde. Un élixir, ok. C'est juste de l'eau. Là, il y a un gros monstre. Est-ce que I'm ready? Yes. Ouais, il est balèze.
J'ai cru voir un coffre violet. C'est une matière. Garde renforcée. Oh, pas mal. Ok. Ah, c'est... Non. Un morceau de saphir. Ok, ici y'a rien. Allez, on va buter l'autre... L'autre gros monstre. Ah, c'est un œil de la mort. Du vent, je crois. Même pas. Bien raide. Bon, ici c'est fait. On va vérifier si c'est ouvert ce chemin.
Mais comment lui? Ah, je le fais pas dans le bon sens en plus, donc c'est pour ça que je gaspille un peu d'énergie. Encore eux. Non, mais vous allez vite. À toi de jouer. Je vais te montrer comment tu le Allez, t'inquiète. Des multiplications mystiques, ça c'est nouveau ça. Pas mal. T'as bien buté. Ok, on avance pas mal. Ah, bah voilà. Petit coffre. Bracelet de Cetra. Bah, j'ai bien fait de pas m'attarder sur ce truc. J'ai regardé de l'autre côté, ok. Mais comment on n'est pas super bon. Ok, je crois qu'on a tout fait. Plus le dernier. Ah, c'est une histoire annexe. Thank you.
Tu devrais peut-être te reposer un peu. Je suis d'accord. Faut pas t'épuiser, parce qu'on serait perdus sans toi. Alors, juste un petit peu. Le hall de la vie, premier niveau. Mais merde! Non mais... Cet endroit va me rendre dingue. Au moins, un passage s'est ouvert. Ah. Qu'est-ce qui se passe encore ? Si on peut se battre, ça me va. C'est déjà ça. Ok, c'est pas mal ça. Il a pas fait long feu, lui. Non, on peut se casser, c'est bon. Eh ben, c'est encore une sacrée tornade. Regardez. Allez go, on va les buter ces enfoirés. Petit repos. Zéro, zéro, toujours rien. Oh! Vous avez pas vu, vous? Bon, faut y aller. Je vais les dégommer! Oh. Je vais t'en mettre plein la vue! Mon tour.
préfère. Let's go pour la suite. Il y a encore des soldats. Côté. Ok, on a ça, faut le mettre où? Faut le mettre ici. Ok, ça a l'air d'être cool. Pas de monstre en vue. Rejoignons ceux qui sont partis pour. Encore. Oh, un petit coffre. Je crois qu'on va avoir toutes les armes cri de la planète. Ah, c'est pour Barrett. Ok, intéressant, cri de la planète. Ok, ouais. Montée d'adrénaline. Méga recharge d'énergie. Affinité élémentaire plus, ok. Attaque physique plus 20. C'est plus intéressant. Parce que là, tout va bien. C'est pas mal. Ok, apparemment on peut descendre.
Ouais, notre but c'est le gros machin là-bas. Ça suffira pas. Sans deck. Le monument. Peut-être une sorte d'interrupteur. Voyons ça. On va voir. Regardez, on pourrait pas briser ce pilier. Merde. Oula, il est balèze lui. Si c'est celui auquel je pense, je suis dans la merde. 16 gros balourds qui va le briser pour nous. D'acier, ouais, c'est bien lui. Ah, bordel. J'en ai affronté un au Colisée, il était trop balèze. Après, je sais pas si c'est le même niveau, mais il fait des attaques de ouf. Ok, va falloir attaquer comme un ouf. Bon, j'ai l'impression qu'il est moins puissant. Non, il est quand même. Ouais, il est balèze. Ok, transcendance, vite, vite. C'est cadeau.
Ça, elle a pris cher déjà. Bien joué, Tifa. Pas vraiment. Faut qu'on détruise cette tour. Bon, allez. On recommence. De quoi on recommence ? Je suis sous de ma gueule ou quoi ? Elle va peut-être arrêter de se balancer des... Peut-être que... Ouais. Bon. Salut mec. Eh, viens par ici. Ok, Ça va sonner. T'attendais que ça. Allez, viens ici, là. Ouais, t'es bien, là. Ah, l'enfoiré, il veut pas venir vers moi, là. Ok, objet. Oh, c'est tendu. C'est de ma faute.
Elle vient par ici là. Je vais t'éclater. Tu vas voir. Je te préviens, y'a pas de temps mort. Allez, viens. Eh bien. Je vais m'en charger. Je suis juste à côté. Infliger l'état de choc à l'ennemi et projeter le contre la tour. Ok. Et objet, super éther. Petit éther pour Barrett. Allez, on va y arriver là. Il faut que je lui inflige un état de choc. Allez, on va retester. Allez, viens mon petit. En tout cas, il est bien stylé. Ok. Compétence qui vive. Aïe. J'arrive.
dis donc. Ah, j'ai envie de l'éternuer. Allez, on peut le faire là. Ouais. Viens ici là. Allez, viens. C'est long lui. C'est un petit raccourci, ok, d'accord. Je crois que... Ouais, il y avait un coffre si j'ai pas oublié. Bah allez. S'activer un peu. Ok, on va faire demi-tour. On peut le faire. Headcut ici. Bande antérieure résurrection. Ok, pas mal. Le
pas que... Ah si, encore des saumons. Giga brume potion, ça c'est cool. Ah, c'est des darwolves. T'as quitté ça, hein. Et ouais, Tifa est trop balèze. Il manque Yuffie. Ah, ça c'est parfait, ça. Parfait, on va pouvoir... Et marre, ces enfoirés. Tiens, on peut descendre par ici. Ah ouais. Ah shit. Garotte. Mais allez, comme ça. Moi, je vais arrêter là. Je vais moucher un gros coup. On sera bon pour le prochain épisode. Giga potion. Il y a des nouveaux trucs. Ah non. J'ai dû gagner de l'XP quand même avec avec le gros, non? Même pas. Super. Cool. Donc bref. La suite au prochain épisode. Merci à vous de me suivre. Et à la prochaine. Ciao tout le monde.